Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Eh bien salut tout le monde, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Far Cry 4. J'ai donc choisi de faire la mission pour Longinus. La dernière fois j'ai pu remarquer que je vous parlais des missions où je trouvais ça bizarre qu'il y ait 3 missions. Et en regardant un petit peu mieux, j'ai pu voir que Longinus était une petite mission, on peut dire secondaire, puisque quand on regarde, voilà, ça fait lancez-vous dans une mission pour Longinus, et en dessous vous avez marqué vous recevrez une grande quantité de K-Roupies ou Roupies, je sais pas comment on le prononce. Pareil pour Yogi et Rigi, c'est des K-Roupies. Et par contre là, l'autre point, c'est une grande quantité d'XP. Donc là c'est réellement la mission principale. Donc bon, comme je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire Longinus, parce que ça faisait un petit moment que je le faisais un petit peu poireauté, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, notre ami Longinus, donc on va aller le voir. Tiens, au passage je vais vous montrer, voilà. Dans la barre de progression, justement, pour le moment, j'ai fait que des missions de campagne. Et on peut voir que Longinus, c'est du 04. Yogi et Rigi, c'est 04. Donc bon, là, du coup, ça va me faire lancer dans leur mission à eux et pas dans la mission de campagne. Mais je reprendrai la mission de campagne pour la prochaine vidéo. Là, après, tout dépendra également de combien de temps va prendre la mission de Longinus. On va voir. Bon, je vais me lancer, c'est parti. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Je suis content de te revoir, AJ. Tu es venu faire l'œuvre du Seigneur? J'imagine. J'ai une confession à te faire, AJ. J'ai peur du mal, pas celui des autres hommes, car il est facile à écarter. Non, c'est le mal qui est en moi que je crains. Tu te souviens de mes péchés? De cet horrible business dont je t'ai parlé? Vous voulez parler des diamants, oui, c'est ça? Et le sang de l'agneau lave de tous les péchés. Mais pour atteindre la pureté, je dois me repentir et faire acte de contrition. Il y a beaucoup d'autres péchés dans le Kirat. Ils doivent être punis. Commence par trouver une brebis égarée. Suis-la, elle te mènera à une crypte. Rapporte-moi ce que tu y trouveras. Compris. Il réunit ses amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous, avec moi, j'ai retrouvé ma brebis. » Toujours aussi fou celui-ci. Alors une courte chasse. Atteignez l'emplacement 399 mètres. Donc heureusement j'ai pris ce petit... je sais pas comment ça s'appelle ça. J'ai du mal à savoir comment ça s'appelle. Mais j'aime bien ce sorte de petit hélico ou je sais pas comment on appelle ça. Alors... N'empêche que ça fait gagner pas mal de temps à chaque fois. Suivez le trafiquant jusqu'à sa destination sans vous faire remarquer. D'accord, restez assez proche de lui. Ok. Donc du coup, je vais pas forcément y aller. Tuez la cible et prenez sa clé pour entrer dans la chambre forte du diamant de guerre. Enfin, faut pas que je le tue tout de suite. Ok, il n'y a personne là. On va aller s'approcher tout doucement. Putain, à chaque fois je me blesse avec ça. Regardez le truc, il s'envole et tout. Calme-toi. Reste là. Reste là, je t'ai dit. Non, t'en vas pas. Bon. Fini de faire le con. Trafiquant en approche. Attendez sans vous faire voir. Le trafiquant. Ok.
où il y avait des ennemis. Merde. Ah, ils font partie du même... Ok, non, c'est pas grave. Je pensais que c'était un véhicule qui était à part, mais non, au final, ils font bien partie du convoi du trafiquant, donc bon, tant pis, on va réessayer. Ok. Il a mis du temps à passer là. On va laisser s'avancer un petit peu. Le trafiquant est trop loin. Oula. Putain, je suis en train de démonter la voiture. J'ai pas envie de me faire repérer par l'autre, et l'autre il est pas très loin aussi. Ok. Je vais tout doucement parce que bon. Non, c'est quoi cette barrière que je peux pas... Je pouvais pas démonter la barrière. Ok. Ils sont passés par où? Ok, par là. Tuer le trafiquant, d'accord. Par où je passe? Voilà. J'adore le snipe sur Far Cry. Je trouve que c'est plutôt énorme. Oula. C'est qu'il y a un petit peu beaucoup de monde ici. On va essayer un autre endroit. Non. Tu peux le faire. Non. Tu veux pas? Je vais essayer un autre endroit. Parce que ça me fait... ça m'embête un petit peu de passer par devant avec les trois gardes. J'ai peur de pas la voir là. Voilà. Donc maintenant, ses potes. Voilà, encore deux. Encore un dernier. Voilà, enfin. Bon, je me suis un petit peu loupé pour l'avant-dernier. Que je pensais d'ailleurs que... Non, je veux pas cueillir, je veux fouiller. Laisse-moi tranquille. Ok. Ok, de la chambre forte. Entrez dans la chambre forte. Je m'amuse à aller fouiller avant. Voilà, ça me fait toujours un petit peu de d'argent. Si, ouais, si, il y en avait un ici aussi. Allez. Je sens qu'il y a peut-être
des gardes derrière, on va voir. Non. Ah si. Bon, ils sont où? Ok. Où est-ce qu'ils sont? Ça tourne en rond, en fait, je crois. Ouais. C'est de là où je suis venu, moi? Ouais, c'est de là. Putain, je suis perdu. Ok, donc le point, c'était là. Diamant de guerre. Ok. Prenez la fuite avec le diamant. Ok. Donc là, je pense que je vais me faire rush. Ouais, il y a un petit peu de monde. Je vais essayer de voir au snipe, ça se trouve, ils vont peut-être même pas me remarquer. Mince. Bon, je me suis encore une fois bien loupé. Merde. Putain, il bouge trop avec le snipe. Voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai pas trop fait esprit non plus, mais bon. Bon, plus qu'un. Ah non, il y en avait deux. Donc est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est bon. Ah. J'entends un mec. Ouais, j'ai entendu un mec, mais je sais pas d'où. Ah, ok, il est là. Voilà. Merde, il y en a encore un autre. Il est où? Merde. Fou, j'ai eu chaud là. Faut que je sois... ok, faut que je prenne le bateau. Alors... 330 mètres. Je vais peut-être me faire prendre en chasse. Non, c'est plutôt tranquille. Ok. Oula. Oula. J'ai fait un petit peu le fou là. J'ai sauté, j'ai fait un bond de... Je sais pas combien de mètres, mais c'était sympa. Courte chasse, mission terminée. La compétence pro des munitions a été débloquée dans le menu compétences. D'accord. Par contre, je m'attendais pas à ce que la mission se termine aussi rapidement. Attendez, voilà, ouais, Longinus a avancé du coup. Nouvelle quête Longinus disponible. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'avancer, de faire une autre quête pour Longinus. Alors, où est-ce qu'il est maintenant? Il y a toujours Yogi là.
Ingénu, c'est par là. Hasard, j'ai pas beaucoup de points pour. Enfin, les points sont pas proches. Je peux me rapprocher ici. Ouais. Ou sinon, ici, ça sera mieux. Voilà, ça sera mieux pour se rapprocher. Du coup, je vais faire deux missions pour une vidéo. Je pense que ce sera le mieux pour vous. Parce que là, c'était quand même bien bien court. Hein. Tirta. Comment ça se fait que ça me fait cette cinématique? Tiens, je vais me prendre des munes au passage. Voilà. On va vendre un petit peu aussi. Voilà. Le reste, on garde. Ouais, c'est ici. Tiens, il y a un coffre. Du coup, le point est. On va cibler le point. Donc, il est par où? 465. Tiens. Voilà, ça c'est fait aussi. Nickel, un petit quad. Alors. Oula, 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 oula. Je vais me tuer. Ouh. Je sens qu'il va être en hauteur, Longinus. On va voir. Bon, je vois, il y a des points et tout à prendre. Ça, je m'en occuperai la prochaine fois. Allez, des éléphants. Est-ce que c'est. Ouais, je peux peut-être me prendre un petit éléphant. Je suis plus trop éloigné. Arrête de bouger! Non, reviens. Hé. Voilà. Putain, il voulait pas. Hein. J'ai vu de la fumée quelque part. Ouais, il y a de la fumée par là. 160 mètres, ouais. C'est plutôt près. Écoute-moi attentivement, EJ. Tu es dans la région de Doppler. Il a une forteresse hautement sécurisée. Si tu l'attaques alors que Paul est encore là, tu risques de morfler. Ouais, on va éviter de passer à côté de la forteresse. Voilà, ça par contre c'est fait. J'ai pété au moins ça. Par contre, ça, faudrait pas tuer l'éléphant au passage. Allez. Voilà. Alors. Est-ce que je peux passer par là sans passer trop près de la forteresse? Je crois que je vais devoir lâcher mon éléphant encore une fois. Ouais, non, ça devrait le faire. Nickel. Ouais, la petite forteresse, ça, je me la ferais bien. Bon, allons voir ce que va nous dire du coup Longinus. Hey Jay, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Révélation 13-9. Ça fait beaucoup de sermons. Tous les hommes seront saisis de crainte. Ils proclameront l'œuvre de Dieu et seront émerveillés par ses actions. Quant à toi, il y a une autre brebis égarée. Trouve-la, suis-la, rapporte ce que tu verras. Ok. Donc ça devrait être à peu près le même genre de mission. Dédommagement, ok, atteignez l'emplacement désigné à 200 mètres. Il est parti mon éléphant?
Ah. C'est où qu'il faut que je... Faut aller là-bas. Est-ce que je peux y aller comme ça? Ouais, si. Bon, la forteresse, je viendrai un autre jour. Mètres. Petite baraque. Est-ce qu'il y a du monde? Non. Ok, un petit coffre par là. Je le sens pas. Trafiquant en approche, attendez sans vous faire voir. Oula, oula, oula. Bon, je suis obligé de le lâcher. Tiens, au passage. Allez. Ah, il y a un autre bateau aussi. Hein. Le trafiquant est trop loin. Mais non, je suis à côté, je le vois le trafiquant, je vais pas... C'est n'importe quoi là. Putain, si je vais trop... Je sens que je vais me faire repérer là. Je vais faire comme ils m'ont dit, mais... C'est ça, prends ton temps. C'est pas comme si je transportais des trucs de valeur. Ok. Du coup, on refouille ça. Allez. Mètres, 80, ouais, je commence à me rapprocher, attention. Tu es trafiquant. Alors, j'ai dû un petit peu plus m'absenter au final. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais rapproché, je crois. Parce que du coup, j'avais coupé un petit peu. Enfin, j'ai dû m'AFK et couper la partie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, c'est juste que les gardes sont... Ok. Se sont retranchés là, mais le trafiquant est toujours mort, normalement. Ou alors, non, ça a peut-être recommencé. Ok, il y a pas mal de gardes. Un mort... Ouais, je me bute celui-là. Il va être chiant buté celui-là, je crois. Allez, montre ta tête.
Il y a un des gardes qui a remarqué. Tiens, je vais essayer de passer par là. Alors non, je ne vois personne. Ok. Ouh. Je pense pas qu'il m'a vu. Si. Voilà. Bon, je vais y aller. Au passage. Voilà. Ouais, du coup, en fait, ça avait dû recommencer. Je suis peut-être mort pendant que j'étais AFK. Puisque j'avais tué juste avant de recommencer le gameplay. Alors. Voilà. Tiens, au passage. Hop. Alors, entrer dans la chambre forte. Un autre coffre. Ah non. C'est une. C'est un. Comment ça s'appelle? Fake! Oula! Merde! Oh putain! Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Une bonbonne. Voilà. Voilà. Prendre des objets. Voilà, diamant de guerre. Il y a un coffre quelque part. Non? Oui, il est peut-être au-dessus après. Parce que là, vous voyez pas. Ouais, il doit être autre part. Je vais quand même fouiller. Et Ascar. Donc je pense qu'il y aura du monde juste après. Ok. Non, il n'y a rien. Non. Ouais, il y a du monde. Apporter le diamant de guerre au point de livraison. Il est loin le point là. Voilà. Mince, je balance pas assez loin. Allez, on va y aller. Merde. Merde. Fouh. Il y a un mastodonte en plus. Allez. Voilà. Putain, mais j'ai du mal. Wow, 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 wow. Voilà. Et voilà. Ouh. Tiens. Petite fouille. Hop là.
Je vais pas rester trop longtemps, je vais pas tous effouiller non plus. On va se dépêcher d'aller au point. Par contre, du coup, ça m'embête, j'ai plus de. Ouais, j'ai plus rien. En mune. Est-ce qu'il y a un bateau là, quelque part? Tiens, il y a un petit journal normalement. Non, c'était pas un journal. Ah non, c'est un moulin. Voilà. Ah, c'est un petit bateau. Alors. mètres. Oh, ça va, je suis pas très très loin non plus. Oula. Oula. Je vais rouler avec la... enfin sur la route avec ça ou quoi? Ça, c'est bon. Et du coup, on va la renfermer là-dedans. Voilà. Bon. Est-ce que quelqu'un va m'appeler? Non? Personne? Non. Bah, c'est fini comme ça. Bah, du coup, deux petites missions sympas. Tiens, je vais me cacher quand même, on sait jamais. Donc, je regardais du coup au niveau des missions. Donc, on a la barre de progression. Voilà, donc Longinus 2 sur 4. Je pense que je ferai une autre vidéo comme ça où je ferai la mission 3 et la mission 4. Comme ça, je terminerai toutes les missions avec Longinus. Pareil pour Yogi et Regi. Après, tout dépendra également de la durée des missions. Parce que bon, si la mission 3 dure une demi-heure, trois quarts d'heure, non, je vais pas m'amuser à refaire la mission 4 d'affilée. Mais si ça fait comme là, que la mission dure pas trop longtemps, que c'est assez simple, oui, pourquoi pas regrouper dans ce cas-là les missions secondaires. Par contre, pour les missions de campagne, je resterai sur une vidéo pour une mission de campagne. Voilà. Prochaine vidéo, je pense qu'on se retrouvera pour une mission de campagne. Là, de toute façon, il reste quoi? Non, Genus, j'ai pas eu de nouvelle mission. Il me reste Yogi et Regi, mais je vais pas y aller tout de suite. Prochaine mission, donc, j'irai voir Nour. Et on va voir ce que Nour va donc nous dire. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous voulez voir un petit peu plus de vidéos par la suite et la suite de mes aventures sur Far Cry 4. C'est quoi ça? Ok. Il y a un gang d'ours. Par contre, il y a la forteresse toujours par là. Ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.